s'applaudit plus fort que ça. Alors, la jeunesse estudiantine, scolaire ou élève donc de Kamti est avec nous ce matin. Merci de nous honorer. En tout cas, vous êtes tout chou, vous êtes tout beau. On va vous applaudir encore plus fort, s'il vous plaît. Et cette jeunesse consciente également, ces acteurs pour le développement de notre pays, le Burkina Faso, qui ont compris qu'à un moment donné, il faille absolument aller donc à l'école de formation Soutillé pour être utile à la société. Eh bien, c'est le centre de formation professionnelle et polyvalente qui nous visite ce matin. Acclamation pour vous encore. L'apéro déjeuner, nous sommes à l'acte 2 de la semaine. Aujourd'hui, c'est mardi, nous sommes en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Vous le savez bien, groupe Média Leader, nous vous servons de l'apéro tous les jours, du lundi au vendredi, quand il est 11h, temps universel. Et pour mardi et jeudi, vous le savez, nous recevons un public avec lequel nous partageons ce temps d'antenne, surtout en compagnie de ces nombreux et ces millions de téléspectateurs qui nous regardent un peu partout dans le monde. Avec l'apéro déjeuner, c'est le rendez-vous du bonheur, c'est le rendez-vous du partage, de l'information, du divertissement, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter, avec une team très déterminée, engagée à vous servir également le meilleur. Et ce matin, nous partons sans plus attendre, accueillir tout de suite Sandrine Konaté, que nous allons applaudir bien fort, s'il vous plaît. Elle arrive. Sandrine, bonjour. On va faire le selfie, même s'il y a des photos qui sont là, qui traînent depuis des années. 2000 photos au moins dans mon téléphone. Allez, on fait le selfie. Merci. Allez, à bientôt, Sandrine Konaté, pour la suite de l'émission. Et puis aussi, saisis l'occasion pour dire merci à un grand monsieur. C'est un frère, c'est un ami, c'est le frère d'une autre mère. J'ai nommé Philippe qui, en tout cas, me fait l'honneur ce matin, en tout cas, en m'offrant ce magnifique maillot Burkina Faso que je porte avec fierté. Une façon pour moi d'exprimer aujourd'hui ma fierté d'être de ce pays, ce beau pays, terre hospitalier par excellence, terre rouge du feu, capitaine Thomas Sankara, dont nous sommes actuellement, mesdames et messieurs, je le dis, confirme, nous sommes des adeptes de sa philosophie. Merci d'applaudir pour Philippe, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Philippe. Eh bien, à la suite de Sandrine Konaté, eh bien, elle arrive maintenant. Adèle Rwamba est avec nous. Acclamation pour l'accueillir, s'il vous plaît. Adèle, tu viens avec nous. Merci beaucoup. Allez, bonjour. Comment tu vas? Merci beaucoup. Et merci pour le dynamisme et surtout l'énergie que tu donnes au quotidien. Et enfin, pour accueillir la dernière qui arrive maintenant, c'est Mika. On va l'applaudir pour l'accueillir, s'il vous plaît. Mika, tu viens avec nous? Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien? Eh bien, ce matin, c'est un grand jour. Alors, on va demander au public de s'asseoir. Merci de vous asseoir. Et puis, déjà informer que pour ce rendez-vous du deuxième numéro de la semaine, on aura tout à l'heure, ici sur notre plateau, la formation Bézou qui viendra donc partager avec nous la date de leur conférence de presse qui sera suivie éventuellement d'un concert dédicace prévu donc le 17 décembre 2021 à partir de 18h à Canal Olympia Pissi. Le 17 décembre, c'est une date qui, mesdames, messieurs, nous donne rendez-vous, en tout cas pour plusieurs événements. On aura également le 17 décembre du côté donc de la Place des Nations, la cérémonie d'ouverture officielle donc du Salon international du prêt-à-porter de l'artisanat de Ouagadougou, Sipao, avec Idé Mava. C'est à partir de 15h temps universel. Et puis également le 17 du côté donc de Golden City à Ouaga 2000 pour le Golden Tee International, défilé de mode international avec Angelina Wibga qui peut-être sera avec nous jeudi pour nous en dire plus. Et puis aussi rappeler que le 18 c'est un grand jour parce qu'il y a quand même beaucoup d'événements. Il y a le 40 17 ans. Même. Le 17 encore, il y a quoi d'autre? 17, il y a quoi d'autre? Tu peux pas m'oublier. Oh, le 17, oui, la sortie officielle justement. Mais justement, on allait en parler parce que le teaser, je crois que si nous l'avons, nous allons donc... voilà, le teaser, je pense que c'est OK. La sortie officielle donc de, du single qui annonce la sortie du maxi de Adèle Rwamba. C'est un maxi de combien de titres déjà? 4 titres? 4 titres, voilà. Alors Adèle Rwamba qui en tout cas est allée puiser tout au fond donc de la diversité culturelle dans notre pays du Burkina Faso pour nous servir du warba pur et dur. Attention, on pensait que les reins étaient un peu rouillés, mais apparemment avec ce teaser, on a compris que les reins ont été graissés. Non, il y aura des roulements de reins tout à l'heure. J'espère qu'à la fin, avant la fin de cette émission, Rabot nous fera le plaisir de pouvoir donc... Quand on a des reins, des roseaux, c'est à vie, hein, pas besoin de graisser. Donc le 17,
Alors vous aurez droit, non, vous aurez droit à la sortie officielle, au clip officiel qui sera donc diffusé à l'apéro déjeuner. Donc restez connectés, mais pour l'heure, c'est le teaser que nous allons vous proposer dans un court moment. Et puis aussi à Madame Ouedra Okadi, donc présidente de l'association Femmes et Prisons d'Afrique. Attention, c'est une femme qui mène de très bonnes actions, des actions nobles, donc au profit des pensionnaires des maisons d'arrêt de correction du Burkina Faso. Alors, Madame Ouedra Okadi sera avec nous pour parler donc du repas communautaire qui sera donc servi au sein de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou le 25 décembre, jour de Noël. Et puis pour terminer, M. Bationo Balélé qui viendra donc depuis Rio, qui a effectué le déplacement de Rio pour nous visiter à l'occasion donc de la journée de convivialité des personnes âgées du centre-ouest, prévue également les 17 et 18 décembre à Rio. Emilio Le Chanceux qui donne rendez-vous le 18, c'est à Canal Olympia, Ouaga 2000, pour le concert marquant donc j'ai 10 ans de carrière. Et puis à la zone du bois, il y aura également les 40 ans de célébration donc, de l'école zone du bois avec mon cher ami Gandema et toute la grande famille, tous les élèves. En tout cas, d'après qu'il y a 50 enseignants qui sont entendus et plus de 1000 élèves qui ont fait cette école, qui seront la partie, c'est pour samedi 18, quand il sera exactement 9h, temps universel. Mesdames, messieurs, bien voilà donc pour ce qu'il y avait comme information en attendant donc de poursuivre, nous partons tout de suite donner la parole à Mika pour lui souhaiter la bienvenue pour cette journée du mardi. C'est l'acte 2 de la semaine. Alors Mika, ça va bien, j'espère. Bonjour Jackie, bonjour la team, public, bonjour téléspectateurs. Jackie, oui, ça va. Quand Mika vous dit ça va, est-ce que vous avez répondu ça va? Wow. C'est quand même timide quand même quand on dit ça va. Je suis convaincue là. D'accord. Alors Mika, oui. Alors oui, ça va, je vais bien, Jackie. Aujourd'hui, c'est la journée de Yaki. Pardon? Aujourd'hui, c'est la journée de Yaki. Odile. Ah, Odile. Odile, c'est... Odile qui signifie prospérité. Prospérité. Prospérité, tout et simplement. Pour le garçon, Odile, c'est quoi le masculin de Odile? Odilon. Odilon. Oui, je pense. Prospérité. Odilon, alors, voilà. Pourquoi le choix ce matin? Parce que c'est leur journée. Leur journée. Voilà, c'est leur journée. C'est la journée où est célébrée toutes les personnes qui portent le prénom Odile. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc, beaucoup de prospérité à tous ceux qui nous suivent. Jackie, comme toujours, hein, depuis que le mois a commencé, je vais recommander la prudence, la prudence, la prudence. Voilà. Prudence, protégez-vous par rapport à la poussière. Portez vos casques. Les accidents de la circulation, malheureusement, ça fait que des victimes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je parle et ma voix est un peu nouée parce que malheureusement, j'ai perdu quelqu'un. Oh là là. Oui. Quelqu'un, suite à un accident de la circulation, il n'a même pas eu l'opportunité d'avoir des soins. C'était sur le coup. Oh là là. Oui, tu vois. C'était quand? C'était le samedi. Ouais. Et malheureusement, on a fait l'enterrement hier. Voilà. Alors, je tiens à revenir sur ça. Faites attention, parce que quand on parle, on a souvent l'impression que c'est juste voilà, pour animer, pour faire du bruit. Mais il y a un vrai message derrière. C'est très important. Prenez soin de vous. Et j'ai aussi envie d'ajouter cela. On passe notre vie à courir, à faire ceci, à faire cela, à travailler, on veut l'argent, on veut se marier et tout et tout. Mais j'ai envie de dire aussi, il faut chercher Dieu. Ce n'est pas une histoire de mode, ce n'est pas une histoire de jeunesse, ce n'est pas une histoire de vieillesse. Il ne faut pas qu'on soit trop occupé ou trop jeune pour chercher Dieu. Parce qu'on peut prendre même toutes les précautions qu'on veut, hein. Mais après, il faut qu'il y ait cette bonne main divine-là, voilà, qui vienne soutenir tout ça. C'est très important. Donc, j'ai juste envie de dire aujourd'hui, prudence, prudence, prudence. Et n'oubliez pas de passer quelques minutes de votre précieux temps. Parlez à votre Créateur, parlez à Dieu, confiez-vous à lui, recommandez-vous à lui, recommandez vos familles. C'est très, très, très important. Merci d'applaudir pour Pasteur Mika. Alors, Mika, c'est un message qui est très important, il est très profond de sens. Eh bien, on va te dire merci pour le partage et surtout merci pour le rappel de prise de conscience réelle quand on est en circulation et surtout de responsabilité quand on est en circulation. Je dis toujours que lorsqu'on circule mal, eh bien, on met sa vie en danger et celle des autres aussi en danger. Mais quand on circule bien, on protège sa vie et on protège également celle des autres. Et ça, c'est important. Ne soyons pas égoïstes. Alors, quand vous êtes en circulation, pensez aux autres. C'est important. Alors, vivement que les uns et les autres puissent retenir ce message. C'est un rappel d'ailleurs. Et puis, on va espérer que cela puisse être intégré désormais dans nos mailles. Alors, Sandrine Konaté, pour la suite. Bonjour, ça va? Moi, on ne me parle pas avec douceur. Hein. Non, 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 non. Il n'y a pas de douceur qui tienne ici, Sandrine Konaté. D'accord. Alors, parce que Mika, c'est la plus douce de cette team. Oui. Donc, il va de soi que nous puissions être encore plus doux avec elle. D'accord. Quant aux deux autres,
eh bien, il y aura de l'énergie pour vous parler. D'accord. Alors, Sandrine Konaté, bonjour. Bonjour, téléspectateur Adèle. J'aime la pièce que tu portes. C'est très joli. Je la regarde pièce de 100 francs? Non, non, je parle de sa tenue. Ah, c'est la tenue. Ça, français est gros. Quand tu dis pour voir, clairement. Non, je parle de la tenue. J'ai l'impression, voilà. C'est deux pièces. Ouais. Au départ, en fait, je pensais que c'était collé, mais je me rends compte que c'est deux pièces. C'est deux pièces. Au fait, c'est parce que tu n'as pas fait attention, parce que j'ai déjà porté ça. Ah, voilà, okay, c'est très joli, mais les couleurs. J'avais porté avec un débardeur en dessous, et du coup, j'avais les bras nus. Là, avec le sous-pull qui est là, donc ça donne un autre style à la pièce. Alors, dis-moi, Adèle, et si tu pensais quand même à nous proposer quand même un temps soit peu quelques modules de mode, ça va être bien, parce que tu parles pourquoi tellement pas de la mode comme ça. Mais toi, personne ne le sait, mais toi, tu sais. Voilà, que là-bas, quelque part, dans un autre pays, j'ai occupé des postes de responsabilité. Oui. Voilà, j'étais directrice adjointe d'une structure où ça ne parlait que mode. J'avais une vingtaine de personnes sous ma coupe. D'accord. J'étais la seule noire, donc j'étais fière. Donc, du coup, tu sais que c'est... Voilà, toi, tu sais que c'était mon domaine, hein, la mode. C'est parce qu'ici, il fait tellement... Voilà, c'est la galère. On ne peut pas mettre tout ce qu'on sait là sur nous-mêmes. Sur notre on va penser à ça et puis on va essayer d'intégrer un peu cette virgule-là. Ouais. Pour permettre aux autres d'avoir tellement de personnes qui le font déjà d'avoir la culture un peu, parce que c'est important pour nous. Ouais. Alors, parce que cette émission, c'est une émission à 360 degrés. On touche à tout. Ici, il n'y a pas de limite. Exactement. Nous sommes illimités. Alors, oui, c'est vrai. Donc, bonjour, téléspectateurs. On vous souhaite une excellente... Merci pour les compliments. Oui, c'est vraiment joli. C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit en plus. Entre nous, c'est gratuit, mais avec toi, c'est pas gratuit. Bonjour, téléspectateurs. Bonjour, public. Excellente journée de mardi. J'espère que c'est bien mardi parce que les jours filent tellement que souvent, tu te retrouves à jeudi, tu notes dans ton calepin mardi ou mercredi. Donc, prenez soin de vous. Et aujourd'hui, je vais faire un coucou à tous ces parents qui font la corvée enfant. C'est vrai qu'on appelle ça corvée enfant, mais c'est avec plaisir qu'on va déposer les enfants et les chercher aussi. On fait le programme de la journée même en fonction des heures de montée et de descente des enfants. Il y en a qui disent que les enfants sont nos boss entre griffes et ce n'est pas faux parce que tu organises toute ta journée en fonction de l'heure à laquelle tu dois déposer les enfants, l'heure à laquelle aussi tu dois les récupérer. Bravo à tous ces parents-là responsables qui font la corvée enfants, qui ne laissent pas les enfants en circulation se démerder tout seul parce qu'on en voit souvent des enfants de 7-8 ans qui se tiennent la main comme ça, qui courent, qui avancent. Quand la voiture vient, ils courent, ils reculent et ce n'est vraiment pas agréable à regarder. Bravo à vous, félicitations et une invite en même temps à tous ces parents qui ne le font pas encore, qui sont trop occupés, comme Mika le disait, à chercher l'argent. Et on dit qu'on cherche l'argent pour les enfants. Prenons soin de ces enfants parce qu'il n'y a pas de plus bel héritage à laisser à ces enfants que la bonne éducation et le souvenir d'un meilleur moment passé ensemble et d'un moment privilégié. Pour l'apéro, restez juste connectés, c'est comme d'habitude, le reste, on s'en charge. Merci Sandrine Konaté, on va l'applaudir pour cela. Eh bien, pour la fin du tour de table, Adèle Rwamba, on va te permettre également de partager ton bonjour, mais aussi de partager avec nous la citation du jour. Six citations, il y a, bien sûr. Il y a sûr. Toujours citation. Voilà. Alors. Oui, bonjour public, chers collègues, bonjour. Bonjour. Mika, ça se voit que tu n'as pas beaucoup dormi. Bonjour. Voilà, déjà avec le bébé, ce n'est pas facile. Je me revois il y a une vingtaine, presque une trentaine d'années à ta place. Tu vas vivre la même chose. Dieu merci, pour moi, c'est bon. Donc, beaucoup, beaucoup de courage. Hein. Ce n'est pas facile de courir, d'embaucher les grands-parents qui gardent la petite princesse au Bobalaba et puis de venir travailler et affronter la circulation de Ouaga. Parlant de circulation... C'est vrai que les dames entrent, elles, en circulation. Je ne sais pas si les artères que moi j'emprunte, c'est seulement des dames d'un certain caractère qui le prennent ou c'est partout. Ok, d'accord. Elles sont toujours en concurrence. On n'est pas prêtes. C'est-à-dire, vous ne vous connaissez pas. En circulation, là, tu deviens sa couille plus. C'est-à-dire, la dame, vous ne vous connaissez même pas. Non. Elle te brûle la priorité. Elle vient, elle te coince, elle te regarde comme ça, genre avec ta perruque jaune là. Non, tu ne passeras pas ici. Mais dis, vous avez quand c'est comme ça, là, moi, il ralentit. Il regarde la valeur de ton véhicule. Il regarde la valeur de mon véhicule. Faut passer. D'accord. Je te laisse passer tranquillement. Elles sont toujours en concurrence, énervées tous les jours en circulation.
les matins. Et c'est ces dames-là qui sont censées, puisque les dames restent plus longtemps, beaucoup plus avec les enfants, vous êtes censées donner une bonne éducation à vos enfants, transmettre les valeurs, les bonnes valeurs et tout. Maintenant, vous vous comportez comme ça en circulation. L'enfant qui est derrière, que tu es en train d'amener à l'école, là. Ah oui, oui, maman ne l'a pas laissé passer, hein. Et pourtant, maman n'avait même pas la priorité. L'enfant va voir ça, c'est normal pour lui. Donc, maman circule comme ça, papa circule comme ça. Moi aussi, je vais circuler comme ça, pardonner. On n'a pas même mari, même si on a même mari, il a pardonné. C'est pas comme ça on fait. Alors, il y a message, des règles en circulation. Donc, téléspectateurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bien réveillés. Ah oui, bien réveillés, parce que tout le monde n'a pas la chance de se réveiller ce matin. Beaucoup sont couchés dans les hôpitaux. C'est la fin d'année, c'est vrai. Beaucoup aimeraient bien être dans le feu de l'action, courir partout, aller chercher les poulets à gauche, chercher les vêtements à droite pour préparer tout simplement les fêtes. Mais ces personnes-là n'ont pas la chance d'être avec nous. Parce que ces personnes ne sont plus de ce monde, tout simplement. Une pensée spéciale à nos FDS qui protègent notre chère patrie, le Burkina Faso, qu'on ne cédera même pas un seul centimètre carré à ceux-là. Enfin, j'ai même pas envie de prononcer leur nom ce matin. Donc, restez courageux, gardez le courage. Burkimbila, Asaka Kumuzonyane. Merci beaucoup, Adèle, pour cette force. Merci. Alors, on va pour la citation du jour. Une citation d'un auteur inconnu qui dit ceci. Tout le monde n'est pas remplaçable. Pensez à prendre soin de ceux qui prennent soin de vous. Fin de citation. Restez connectés. La période déjeuner, c'est avec beaucoup, 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 beaucoup de sérénité que ça commence. Merci à toute la team. Merci encore une fois de plus. Merci à notre charmant public ce matin qui, en tout cas, porte de la chaleur à cette émission. Acte 2 de la semaine, nous sommes mardi. Et puis, merci à vous également pour tous ces conseils donnés. C'est vrai que ce sont des choses que les gens connaissent déjà, mais que l'on fait semblant d'ignorer ou que l'on fait semblant de ne pas s'y intéresser. Jusqu'au jour où les conséquences viendront donc nous conseiller. Mesdames, Messieurs, Général Iyak, le vice-président de la coordination des artistes, forces de défense et de sécurité, sera avec nous dans un court moment pour justement parler donc de cette soirée d'hommage aux forces de défense et de sécurité. Je pense qu'ils sont à leur acte 2. Ça s'est tenu l'année dernière. Cette année encore, ils rebellotent et nous serons de la partie. Nous espérons également qu'il y aura une grande mobilisation de la population civile qui, en tout cas, ira soutenir les forces de défense et de sécurité. Mesdames, Messieurs, la RTB, au cœur des grands événements, vous êtes bien à l'apéro déjeuner, nulle part ailleurs. Eh bien, Mesdames, Messieurs, toujours imité, mais jamais égalé. Allez, bienvenue à toutes et à tous. On vous installe avec ceci. C'est musicalement votre. Nana masmin gonna ligidin yeti ra ndam gonna ligidin
La jeunesse africaine, il respecte à vous. Wena loki ligida, wena loki kumbango, wen konye woko. Waliko, baka. Aria waliko, waliko, yeah waliko, waliko, aria waliko, waliko, yeah waliko. Zige kef le massa, Pupi DJ, zige rajo makifango. Willy Besser, Duris Mananga, Sergio Sergio, Monsieur Mo, Kiss Mananga. Acclamation pour mes fils. Voilà. C'est à suivre. Il sera avec nous tout à l'heure pour cette émission. Mais avant, mesdames, messieurs, nous partons donc accueillir nos amis Bézou. Alors, on se rappelle encore de cette formation qui avait, à l'époque, donc, fait danser tout le Burkina Faso avec ce titre Burkina Faso. Ya, Noma, Noma, Sayasida, Faso, Noma. Merci beaucoup, on va les acclamer pour les accueillir. Venez avec nous, s'il vous plaît. Merci. Venez avec nous. Alors, elle va s'installer, elle vient vers moi, à côté, juste à côté de moi, s'il vous plaît, viens. Eh, viens à côté, viens juste à côté de moi, s'il te plaît. Alors, comment ça va? Oui, très bien, très bien. Ça se passe bien? Oui, très bien. D'accord, super. Alors, oui, Frangin. Ouais, ça va, les frères? Ouais. Ouais, tranquille, on rend grâce à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous savons que ce n'étaient pas les mêmes personnes qui constituaient la formation Bézou. Ah oui? Il y a une personne qui manque. Ouais. Ah oui. Eh oui, effectivement. Effectivement. Oui, parce qu'au début, le groupe, on l'a connu à trois. Bien sûr. Oui, et puis aujourd'hui, il y a Tigri qui est en Allemagne. Ouais. Et voilà, il se défend là-bas un peu. Donc Tigri vous a abandonné? Oh non, Tigri ne nous a pas abandonné. Tigri, il allait se chercher. Il allait se chercher. En attendant. Mais vous, pendant ce temps, vous cherchez si vous êtes acquis? Non, nous, on se cherche. Ah, d'accord. On se cherche musicalement. Ah. On est dedans. Vous êtes dedans. Voilà. Alors, Bézou, c'est vrai qu'on ne peut pas vous recevoir. Ça vous permet quand même d'entonner cette chanson-là juste quelques temps. Et le public va reprendre avec vous. Alors, okay. Ça peut aller? Allez, c'est parti. Ton micro, il est. Burkina Faso, ya. Noma, noma. Saya sida. Faso, noma. Burkina Faso ya, noma noma, Saya sida, Faso noma. Ya anatenga noma oto, ya tontenga. Ya anatenga mi wangere oto, ya tontenga. Bravo, on va les applaudir encore plus fort. Alors, Bézou, l'actualité oblige, 17 décembre 2021, 18h, Canal Olympia Pissi. Alors, ouais. Vous donnez rendez-vous au public, c'est pourquoi exactement? En fait, après 8 années d'absence de la scène musicale burkinabé, et puis vu le contexte actuel du pays, bon, on a décidé de se remettre ensemble, parce que vous étiez dans ces activités, moi aussi dans les miennes, on a décidé de se remettre ensemble et puis de sortir une chanson pour attiser la fibre patriotique encore des burkinabés. Vous voyez? Attiser la fibre patriotique des burkinabés. D'accord. Parce que l'heure actuellement est à la cohésion sociale et à l'unité nationale. Voilà, donc pour cela, nous avons sorti un album de 8 qui sort le 17 décembre. Voilà, sur lequel figure un titre Yiki qui incite à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale. Yiki, alors c'est le titre du titre phare de l'album. Et l'album est baptisé comment? On a décidé de le baptiser Yiki seulement. Yiki seulement. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de particulier donc ce jour 18 17 décembre plutôt à 18h? Bah, il faut dire que ce jour, il aura comme la conférence de presse accompagnée d'un concert dédicace. Tu seras en live
Nous invitons toute la population de Ouagadougou, plus précisément la population de Pissi, mm-hmm. parce que ça va se passer à Calanque Olympia de Pissi. Oui, il dit ça au Drago. Mm-hmm. Oui. D'accord. Ok, à partir de 18h, temps universel. Ouais. Alors, dis-moi, cette chanson Yiki, est-ce qu'on peut, on peut la fredonner un peu, ouais, un peu. Est-ce que c'est dans le même registre que ceux dans lesquels on vous a connu autrefois? Oui, on a toujours travaillé dans le même registre, toujours puisé dans le terroir musical burkinabé. D'accord. Et puis, mixé ça avec du zouglou bien du yusumba pour donner quelque chose d'autre. Pour donner quelque chose. Voilà, donc on a fait Yikie, Yikie tilfa tenga, Yikie, Yikie tilfa tenga, Yikie, Yikie tilfa tenga, Yikie, Yikie tilfa tenga, ya proba baston efadia, abielam tito non kaba. Ti ton nom table à son tabac, ti ton fadio la boukina, la race active va la tonier. Allez, on y qui est, y qui est, il faut atteindre. Alors, la suite, c'est pour ce 18-17 décembre à 18h, Canal Olympia à Pissi. Est-ce qu'on peut laisser un numéro de téléphone pour toute personne qui aurait besoin de plus d'informations et puis également savoir si la disponibilité donc de l'œuvre. Oui, l'œuvre sera disponible le 17 décembre à partir de 10h parce qu'il y aura une nourriture marchande dès le matin. D'accord. La conférence de presse à 18h, suivi du conseil dédicace live avec nos petits frères qui sont avec nous. Et donc, les numéros qu'il faut appeler, c'est le 76 67 13 24 78 19 98 27 ou le 76 88 76 88. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Alors, rapidement, le tour de table. Mika, est-ce qu'il y a-t-il rapidement une préoccupation ou un avis. Voilà, non, c'est vraiment à saluer parce que c'est ce dont on a besoin actuellement, attiser la fille patriotique parce qu'on doit tous se donner la main dans ce combat-là. C'est vraiment félicitations au groupe Bézou pour leur travail et puis vraiment, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de scènes, beaucoup de succès. Merci beaucoup, Mika. Alors, Sandrine Boaté. Félicitations pour votre retour, mais pendant tout ce temps, beaucoup de choses ont changé. J'espère que vous vous êtes mis au parfum de la technologie et aussi des rythmes et tout ça. Du coup, je demande, est-ce que la coloration de l'album, c'est 100% de ce qu'on vous a connu ou bien vous avez essayé aussi de rafraîchir avec ça? Un artiste qui ne s'adapte pas à la nouvelle technologie musicale, bon, il est déphasé, donc on s'est mis à la phase. Vous êtes à la page à actuellement. À la page, voilà. D'accord. Ouais. Alors, ça, c'est bien dit. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Et enfin, Adèle Lomba. Oui, alors, Yiki, déjà, félicitations pour le nouvel album qui va sortir. Merci. Et Yiki, Yiki, j'y reviens encore, hein, Adèle. Yiki, qui est une vieille chanson, déjà connue. D'où vous est venue l'inspiration? Adèle n'est pas celui dans la tête. Ah, je ne suis pas celui-là. Ah, on est combien? Tu peux me dire. Elles sont, je ne sais pas. On est nombreux. D'accord. Elles sont nombreux. On va répondre à la question. Parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Yiki, voilà, parce que c'est... Tu sais, j'ai une petite, pas une grande, une petite culture musicale. Donc, que ce soit Burkina Faso, ya, Yiki, ça c'est des chansons populaires déjà connues. Quand tu as entonné, Sandrine et moi on s'est regardé, on a dit ça c'est une reprise. Parce que moi il ne me rappelle pas avoir déjà entendu cette chanson là quelque part. Ben maintenant si vous essayez de fredonner la chanson de laquelle nous on s'est inspiré, ben, celle qu'on a plagiée, on pourrait quand même se reprendre. On n'a pas parlé de plagiat. Non, parce que quand vous dites que c'est une reprise, donc c'est un plagiat. Non, un plagiat et une reprise, ça fait deux choses différentes. Non, mais c'est la même chose. On ne va pas polémiquer sur cette question. Merci beaucoup. Vous êtes venu On s'est basé sur les rythmes musicaux du Burkina Faso. Ce sont des chansons qui existent déjà. Non, ce n'est pas des chansons qui existent déjà. Alors, oui, ça, c'est notre inspiration. Votre inspiration, oui. Okay. D'accord. Non, oui. Bon, faut dire que Yiki, c'est une chanson que nous avons composée. Okay, en 2012. D'accord. Okay. Et en 2012, je vous explique quelque chose. Je suis venu, j'ai repris la même chanson. Je l'ai travaillée avec Bilgo. D'accord. Le frère Bilgo Jean-Paul qui est... Ouais. Voilà. Donc, vous pourrez peut-être... Voilà. Peut-être que vous l'avez entendu en ce moment-là.
Voilà, on a entendu peut-être avec Bilgo, avec laquelle on a, avec qui on a repris la chanson. D'accord. Mais venir s'asseoir sur un plateau de télé et dire qu'on a repris une chanson populaire, vraiment, c'est insulter notre inspiration. D'accord. Tu vois, on va revenir avec. Et me traiter de folle, c'est insulter votre inspiration. Non, j'arrive. Okay. Ce qu'on va revenir avec, oui. Peut-être la chanson Bovary. Adèle Romba va encore dire que qu'on a plagié. Voilà. D'accord. Alors, il n'y a pas de souci, on a compris. Ouais. Alors, on va vous souhaiter en tout cas plein succès pour cet album. Et puis, se donner rendez-vous le 17 décembre. À partir donc de 18h à Canal Olympia PC. Alors, c'est inspiré des rythmes du terroir. Nous allons vous souhaiter en tout cas plein succès. On sera de la partie pour encore vous soutenir. Merci. Bisous. Merci, merci d'être passé nous voir. Ah, et puis, à très bientôt pour la suite. Alors, on va les applaudir pour les Radio Païens, s'il vous plaît. Merci. Et à la suite donc de Bézou, on accueille ici maintenant Memphis Bala qui arrive, celui-là même qui nous proposait le clip à l'entrée donc de cette émission, Memphis Bala. Alors, il est tiré, on va l'applaudir. Merci beaucoup Memphis. Alors, comment ça va Memphis? Très bien. Super bien. En tout cas, ça va très bien. Tout va bien. Ça 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 va bien. D'accord. J'espère que c'est pas une corruption, Memphis. Non, non, non. D'accord. Alors, Memphis, oui, Jackie. Animateur, radio, artiste, oui. Musicien, oui. Technicien, promoteur culturel. Promoteur culturel. Yes, I. Autant de casquettes que tu portes au quotidien. Yes, I. Et ça mérite acclamation pour lui. Yes. Alors, Memphis, depuis un moment, on n'a pas eu de nouvelles de Memphis sur les zones. Mm-hmm. Entre-temps, on retrouve Memphis en train de faire des shows un peu partout. Mm-hmm. Memphis a troqué son micro d'animateur pour le micro de l'artiste. Ou bien c'est juste une pause, ou c'est une phase transitoire? Bah, waouh. Tout d'abord, je tenais vraiment à féliciter le directeur. Ouais. Parce que quand je suis rentré, ouais, j'ai vu le plateau. Ouais. C'est des plateaux qu'on regarde à la télé. On rêvait vraiment d'avoir ça au Burkina. Ouais. Et vraiment, c'est à féliciter. J'adore votre plateau. C'est le plus c'est beau plateau. C'est un honneur pour nous. Acclamation pour tous ceux qui ont joué. Merci. Oui. Avant de te répondre, j'aimerais vraiment dire bonjour à mon papa, le Moro Naba, le Poussa Pange. Pange, on connaît le modèle. Nam, Saba, Bonro, Napara, Koutpokbiya, Bonro, à l'Albi, Ntoun, Poussa. Dire que Memphis a laissé le micro d'animateur, je continue d'animer à la radio Optima FM. Lundi, vendredi, 16h, 17h. Mmh. Uniquement 100% Made in Faso. Made in Faso. Voilà. Et c'est une animation en langue. À langue morée. Ta caméra en face de toi. Yes, Memphis. Voilà. Yes, ah, c'est une animation en langue. À langue, oui. À langue morée. À langue morée. Yes, alors, tu fais cette animation, tu as rejoint la radio depuis combien de temps maintenant? Il y a combien de temps? Waouh. La radio, ça vaut une dizaine d'années que je fais la radio. Une dizaine d'années. Voilà. Ça vaut une dizaine d'années que je fais la radio. La télé aussi, c'est pareil. Je c'est suis pareil. Réalisateur télé. Réalisateur, parce qu'il faut le dire. Voilà. Je me rappelle encore, tu étais notre réalisateur quand j'étais sur Twitch TV. Yes, pour le Mac 12, parce que nous avons été la première équipe à lancer le Mac 12 sur Twitch TV, où tu réalisais l'émission. En tout cas, et moi, j'étais même surpris de te voir un jour en train de réaliser l'émission. Je me suis dit, mais attends, monsieur Guy, il a plusieurs casquettes. Yes, alors, ça fait plaisir, en tout cas, de te voir et puis de savoir que les choses essaient d'évoluer comme tu le souhaites. Et puis, on ne peut que te souhaiter le meilleur, Memphis. Merci. Voilà. Merci. Alors, rapidement, donc, qu'est-ce que tu retiens de ces nombreuses années passées en radio, déjà, tes souvenirs, tes bons souvenirs? Waouh. Déjà, à la radio, je suis venu à la radio comme ça pour promouvoir la culture burkinabè. Et moi, ça me fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, partout, on joue la musique burkinabè. D'accord. À l'époque, c'était pas facile. Moi, j'ai eu à faire des discours avec des DJ dans les maquis où on m'a convoqué même à la gendarmerie, tout à cause de la musique burkinabè. Mais les deux dernières années, c'est-à-dire en 2018 jusqu'à maintenant, c'est bien, on joue la musique burkinabè. Je peux dire que quand on va compter les 10 personnes qui ont lutté pour la musique burkinabè dans les maquis et bars, radio, je fais partie. Donc c'est une fierté. Bravo. Merci, Memphis.
Ça, on n'en doute pas un seul instant. Pour t'avoir côtoyé, je sais de quoi tu parles. Et puis, je ne peux que t'encourager dans cet élan et puis te souhaiter, en tout cas, plein succès dans ce que tu as décidé de faire. Merci. Surtout pour le Burkina Faso. Merci. Parce que beaucoup parlent, mais beaucoup font peu. Yes, il y a ceux qui actionnent et il y a ceux qui passent leur temps à nous faire rêver par de gros propos. On n'a plus besoin des propos, on a plutôt besoin des actions. Ouais. Et des hommes comme toi, je pense que la culture devrait quand même s'arrêter pour dire merci. Merci, merci pour le combat que tu mènes. Merci et puis d'ailleurs, tu ne le fais pas pour quelqu'un. Non. Tu ne le fais pas non plus pour toi. Tu le fais pour le Burkina Faso et pour la postérité. Yes, et ça, c'est important. Yes, alors, Mika, oui. Oui, alors, félicitations pour votre combat. Hein, parce que pour peu qu'on on prenne le temps de se plonger dans la musique burkinabé, on se rend compte que, waouh, il y a du talent au Burkina. Il y a une panoplie de belles chansons, de styles différents qu'on pourrait utiliser à toutes les occasions. Oui. Moi, j'adore, franchement. Quand tu te plonges dedans, t'as plein de ressorties. Voilà. Alors, moi, ma question, c'est celle-là. Autant de casquettes, est-ce que, quelque part, ça ne freine pas l'efficacité? Est-ce qu'avec autant de casquettes, on arrive à être efficace dans tout ce qu'on fait? Est-ce que tu ne seras pas dispersé? Oui. Je vais vous dire quelque chose. Moi, mon papa m'a toujours dit « Talar Bikasson Mayak Tou Mayen Tou Mye ». Ok. Voilà. J'adore. Je fais du J'adore. Tout. J'adore. Voilà. Je fais du tout. Moi, je ne suis pas allé loin à l'école, mais je suis réalisateur télé. Ouais. Il y a ceux qui sont à l'université qui ne peuvent pas faire la réalisation. Voilà. Je et suis en plus, tu es un très bon, tu es un excellent réalisateur télé. Je ne suis pas allé très loin à l'école. Je sais de quoi je parle. Mais je fais vraiment des beaux, des jolis trucs. C'est l'école de la vie qui m'a appris à le faire. Donc, je ne sais pas pour rien si je porte beaucoup de casquettes. Okay. Je suis l'enfant du pauvre qui a vraiment voulu apprendre tout. Okay. Voilà. Du coup, la qualité qu'il faut pour pouvoir faire tout ça de façon efficace, c'est quoi? Être enfant de pauvre? Non, c'est pas ça. Il faut avoir une volonté. Il faut être toi-même. Il faut vraiment décider de ce que tu veux faire. Sinon, c'est pas dit que c'est l'enfant de... Non, non. D'accord. Voilà. Ça marche. Merci. D'accord, merci, merci. Et justement, par rapport donc à la question de réalisation, à cette casquette de réalisation, Memphis Bala a-t-il appris dans le tas ou bien il a été dans une école classique, une école spécialisée? Jamais, je n'ai jamais été à une école de réalisation. J'ai appris comment ça sur le terrain. Je suis allé à SMTV pour faire une émission à Morée. D'accord. Et j'ai vu le caméraman qui ramassait les câbles. Je suis allé l'aider. Et en même temps, je lui ai dit, bon, j'aimerais vraiment apprendre la caméra. Et ça a commencé par la caméra et après la réalisation est venue. D'accord. Voilà. C'est sur le terrain que j'ai appris. Et tu as appris, est-ce que tu peux mentionner des noms de personnes auprès de qui tu as quand même appris? Parce que quoi qu'on dise, il y a Monsieur Meda que je dois beaucoup. C'est lui qui m'a appris la caméra, c'est lui qui m'a appris la réalisation. Voilà. On va l'applaudir très fort, Monsieur Meda. Merci beaucoup. Merci. Alors, Sandrine Konaté. Oui. Memphis Bala, ça fait deux jours et félicitations en tout cas pour ton parcours, merci. Ton festival. On voit vraiment que tu te bats pour la culture du Burkina et aussi pour les rythmes traditionnels. Parce que ton festival, il y a beaucoup de troupes et d'artistes avec de retour à la source qui viennent prester. Toutes ces expériences que tu as engrangées dans la réalisation, dans bien d'autres domaines, la caméra, l'animation... Voilà, donc on va aller à l'école. Mono, mono. En plus, on est nombreux dans le film. Oui, tu portes 12 perruques. Il n'y a pas de souci. Je pense que ça, c'est pour juste pas dire que c'est pour plaisanter. C'est juste pour tourner. Ça veut dire que quand on dit ça, c'est pour dire que la personne. C'est le sens propre quand on dit que quelqu'un. Voilà, mais ça, c'est le sens propre. Vous êtes nombreux dans ma tête. Ça veut dire. Tu es tellement fou. Ça veut dire là où tu es là, tu ne te retrouves même pas. Tu hallucines. Bon, voilà, donc comme tu le dis, c'est ça, le sens propre. Ça, c'est le sens propre. Maintenant, Mais je pense que la personne qui était là, tu l'as dit, a dit dans le sens propre. Espérons que je suis seule dans ma tête. Bref, donc, Memphis, je vais aller avec Petit Français, comme tu as dit. Donc, toutes ces expériences animateurs et tout ça, là. Et aujourd'hui, tu te lances dans la musique. En quoi est-ce que ça apporte une plus-value à la musique que tu fais aujourd'hui? Et est-ce que c'est toi-même qui réalises tes clips? Je
je vais juste corriger un petit truc. Mm. C'est pas que je me lance dans la musique. Mm-hmm. J'étais dans la musique avant, d'être, avant réalisateur. D'être réalisateur. Je suis le producteur du groupe Sarakan où il y avait Faden. Mm-hmm. Ok. Voilà. D'accord. Je suis celui qui a vraiment donné les premiers notes à Faden, mm-hmm. pour ceux qui ne savent pas. Okay. Voilà. C'est vrai que l'élève a dépassé le maître. Voilà. Mm-hmm. D'accord. Voilà. On était dans un groupe, mm-hmm. qui s'appelait Saraka. Mm-hmm. De l'espoir. Voilà. De l'espoir. Et vraiment, je tiens à féliciter ce jeune-là. Il Faden, a du talent. Mm-hmm. Il mérite son condé. Mm-hmm. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, j'étais dans la musique, okay. avant de passer la réalisation. C'est toi-même qui réalise tes clips? Je fais partie, je propose aussi. Mon clip, c'est Herman, mais on l'a réalisé ensemble, j'ai donné mes idées. Herman, voilà. De Graphique Architecte. Oui, Graphique Architecte. Alors, pour terminer, voilà. Donc, est-ce que finalement les artistes ne trouvent pas que tu pourrais être en concurrence avec eux et garder les meilleurs clips pour toi au lieu de proposer par exemple à Adèle ou à Sandrine, étant donné que vous êtes tous artistes? Moi, je peux venir avec mon clip et puis tu ne réalises pas avec la même qualité que toi ton clip, par exemple, parce que tu veux vendre plus que moi. Il n'y a pas une concurrence? Pour le moment, je ne suis pas réalisateur de clips. D'accord. Je suis réalisateur télé. Réalisateur voilà. télé. Voilà, d'émission. D'accord. Donc, je ne pense pas que... Et je rêve même pas de réaliser des clips des artistes. Parce et pourquoi que, wow, nous, les artistes, on est... Vous êtes compliqués. La grande sœur est là, on est compliqués. Vous n'êtes pas seul dans votre tête. On est nombreux. D'accord. D'accord, c'est bon. Merci, Sandrine, pour le dire. Adèle Romba. Nombreusement pas là. Memphis Bala, ravi de te revoir. Super. Ça faisait longtemps. Tranquille. Et sincèrement, j'ai été surprise, hein, parce que je te connaissais en tant qu'animateur, réalisateur, caméraman, mais je ne savais pas que tu faisais la musique aussi. Oh, ton canon concurrent, Adèle. Il faut laisser la musique là. Bon. Alors, tu es aussi promoteur d'un festival nommé Bailly de Rime, oui, qui a sa 7e édition. Voilà, à Tampuy. Oui. Voilà. Et il y a aussi Monsieur Zopito Nabi, oui. qui est aussi promoteur d'un festival Afrobeat. Alors, quels sont vos rapports professionnels et amicaux? Zopito, c'est un grand frère. Il était le tout premier manager du groupe Sarakan. D'accord. Voilà, c'est un autre manager. D'accord. Je pense qu'on a fait l'édition... On a demandé plus tard de Ville de Combattants. Oui. Mm-hmm. On a fait la première édition de Afrobeat ensemble. Mm-hmm. Deuxième édition, troisième édition. Mm-hmm. C'est à partir de la troisième édition du festival Afrobeat des hôpitaux. Mm-hmm. On était nombreux que moi, j'ai dit, bon, pourquoi pas faire un festival pour moi-même. Et puis, bon, Afrobeat, moi, je vois ça de l'autre côté. Oui. Mais j'aimerais faire un festival qui est... Du terroir. Vraiment, ouais. du Burkina. Mm-hmm. Et l'idée est venue. Sinon, c'est un grand frère. Mm-hmm. Chaque fois, on s'appelle. D'accord. Il n'y a pas de concurrence entre non, vous? Non, jamais. Non, pas de jalousie? Non, jamais. Il y a eu vraiment des moments où c'était tendu parce que il y a eu une année où on a fait le festival, les mêmes dates. Ah, d'accord. C'était les mêmes dates. La même période. Et le petit frère ne voulait pas laisser pour lui. Le grand frère aussi ne voulait pas laisser pour lui. Mm. Mais après, on s'est compris. Oui. Voilà, c'était juste... Et ça Burkina s'est bien passé. Auto, voilà. Oui. Finalement, vous avez maintenu chacun. C'est un grand frère. Moi, j'ai repoussé pour moi et puis lui, il a fait pour lui. Merci après, pour cette humilité. On va l'applaudir. Et coucou spécial à mon ami personnel, Jean-Marie Nabi Zopito. Il n'est pas normal, ce garçon. Non. Il est doux. Il est dans sa tête. Alors, oui, on va poursuivre. Alors, Memphis Bala, tu sais, quand certaines personnes me regardent comme ça, là, rien que mon faciès, on dit non, celle-là, elle aime la bagarre. Et pourtant, il dit... C'est comme, je ne sais pas moi, c'est comme un chocolat fondant. En haut, là, des fois, ça peut être croustillant et en bas, là, ça fond comme ça, comme du sucre dans l'eau. Moi, je ne suis pas bagarreuse. Si tu m'as cherché, tu vas me trouver. Si tu ne m'as pas cherché, tu ne vas pas me trouver. Mais, Memphis, on dit que tu es... Ah, il semblerait, hein? Ouais. Que tu sois de nature belliqueux. Ouais. Bagarreur. C'est gros français, voilà. Ah, c'est gros français. Hé, moi, là, bagarreur, nerveux. Tu t'énerves pour... Pardon, tu peux t'énerver et puis sortir plus de billets de 10 000. Ouais. Non. Mais est-ce que tu m'as... Ça dépend de ce que tu vas me faire. Et t'es énervé, voilà, tu m'as là où tu es assis, là, vous êtes nombreux dans ta tête. Non, tu m'as pas ça ne suffit pas. Avec tes doigts, on peut compter. Oui. Demande à Jacky de mettre une autre musique. Et puis ta sac même qui couche hier comme ça, là. Demande à Jacky de jouer une autre musique tout de suite. Moi, je sais ce qu'il faut pour énerver mes fils. Tu es un artiste. Faut énerver mes fils. Moi, je sais ce qu'il faut faire pour énerver mes fils. Alors, est-ce vrai? Est-ce que vraiment c'est ton trait de caractère? Est-ce que tu es bagarreur? Ou bien c'est seulement quand on te provoque, on te retrouve? Si on ne te cherche pas, on te provoque pas, on ne te manque pas de respect, on ne te trouve pas. Bon, j'aime pas mettre ma langue dans la peau. Je suis quelqu'un vraiment... Moi non plus. Avant, vraiment, j'ai eu
de soucis avec ça. Mm-hmm. Parce que j'aime pas quand on me pétine. Je suis petit, mais j'aime pas. Non, tu n'es pas petit. Oui, je suis petit de taille, mais j'aime pas quand on me pétine. Alors, quand tu as la souris. Voilà. Les gens confondent ni rien sévère ni rien méchant. C'est ça en réalité. Moi j'aime pas. Moi aussi je peux te faire. C'est pareil aussi quand tu me vois en femme et puis tu veux me piétiner, moi pas accepter. Alors Memphis, on en colère ni rien. Tu vois non, pas dans soi les 10 000 là. Alors Memphis, vraiment pour terminer, moi je souhaiterais tout simplement lui dire bravo. Merci. Bravo pour toutes ces casquettes que tu portes parce que ce n'est pas du tout simple. Tu te cherches, tu touches à tout et tu essaies de t'en sortir toujours dans la dignité. Sinon, pas à l'heure, là, il y a d'autres qui volent. Les motos, là, disparaissent. Alors, ça a commencé déjà. Memphis Bala, je ne peux pas te recevoir sur ce plateau sans te permettre de revenir un peu sur ton parcours. Okay. Comment est-ce que tu es arrivé à te positionner aujourd'hui, surtout quand on sait d'où tu viens? Pour t'avoir côtoyé, je sais qui tu es. Alors, Memphis Bala, est-ce que tu serais prêt aujourd'hui à partager avec nous ce moment difficile? Memphis, tu es né d'une famille très modeste. Vous êtes combien en famille déjà? On est quatre. Quatre enfants. Et papa et maman, ils tous travaillent? Oui. D'accord. Oui. Alors, Memphis a été scolarisé. Tu es allé à l'école? Je suis allé à l'école, mais bon, il y a eu un certain moment que vraiment papa n'avait plus les moyens pour que je continue. Je suis allé à l'Arlet pour me chercher. J'étais forgeron, j'ai fait la menuiserie. Voilà, je quittais à l'Arlet, je vendais des marteaux, des pioches que je mettais sur les épaules, je tournais, je vendais. Ce que tu produisais, quoi. Oui, voilà, pour pouvoir subvenir aux besoins. Voilà, et vraiment, j'ai dit merci à mon papa et à maman qui vit toujours. C'est qui que Dieu vous. Voilà pour vous. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes observent souvent certaines personnes monter. On ignore très souvent d'où ces personnes viennent. On ignore très souvent le parcours de ces personnes, ce que ces personnes ont enduré comme difficultés, les moments durs que ces personnes ont connus. Et on les juge très souvent sans avoir toutes les données. C'est ça. Alors, Memphis Bala, si aujourd'hui tu es dans cette position, c'est parce que tu t'es battu pour être là. Et tu ne peux pas comprendre, que tolérer que quelqu'un puisse venir te faire comprendre que tu n'es rien ou que tu n'iras nulle part. Parce que toi, tu sais déjà que tu as déjà effectué des pas supplémentaires. Et c'est ça qui est plus important. Merci. Alors, Memphis Bala, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce parcours d'un combattant comme toi? Qu'est-ce que tu as comme message pour cette jeunesse-là qui pense qu'on doit s'asseoir et attendre tout? Attendre que l'on nous tende la main. Le message est clair, c'est de se lever, se battre seulement. Voilà, il ne faut pas s'asseoir. Voilà, il ne faut pas s'asseoir. Moi, il y a eu des moments où maman me donnait 50 francs pour manger la journée. Aujourd'hui, moi, je donne 1000 francs, 2000 chaque jour à ma maman. Il faut se lever pour battre. Voilà, et si tu te bats seulement pour toi, ça va, tu ça vas va sortir. Pour toi. Voilà. Alors, mes fils, voilà, la musique burkinabé et toi, on sait que c'est un amour fou. Il y a une forte passion qui brûle, comme le feu vif. Mais à côté, il y a ces difficultés que la musique burkinabé aussi connaît, c'est-à-dire son positionnement et sa promotion. En tant qu'acteur donc de, influent dans le milieu, parce que tu es animateur, tu occupes une très bonne tranche sur la radio Optiman, tu fais la promotion de la musique burkinabé. Est-ce que pour toi, Memphis Bala, est-ce que les Burkinabés véritablement aiment ceux qui viennent chez eux, ou les Burkinabés préfèrent qu'on leur impose ceux qui viennent chez eux? Bon, il faut dire que le Burkinabé aime ce qui est bien fait. Voilà, regarde les deux jours, les clips que la nouvelle génération réalise, les chansons que la nouvelle génération fait. C'est bien fait. Et quand c'est bien fait, le public aime. Avant, nous, on consommait ce qui venait d'ailleurs parce que nos artistes vraiment chantaient bien, mais les clips, c'était pas vraiment ça. On regardait les clips des Américains avec les bling bling. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, on a les bling bling ici. Voilà. Donc, je pense que si vraiment les artistes mettent un peu de moyens encore, ça va prendre plus. Mais est-ce que les artistes ont les moyens? C'est vraiment une question. Voilà. Hier, on parlait de ça. Et quand j'ai vu vraiment M. Ousseini Tamboura qui est nommé comme ministère de la Culture. Ministre de la Culture. Voilà, ministre de la Culture. Voilà, j'ai vu que sa casquette, de la communication. J'ai vu que vraiment les choses vont changer encore parce que c'est quelqu'un qui connaît ce milieu. Avec lui, on a un peu de plus encore pour que ça, les artistes gagnent encore.
D'accord. Voilà, ça va venir. Ça va venir. Oui. Alors, Memphis Bala, pourquoi tu as frappé le DJ parce qu'il refuse de jouer la musique burkinabé? Bon, moi j'avais mes 2000 même dans ma poche que je suis arrivé. Et quand il jouait de la musique nigérienne. D'accord. Je suis allé lui demander, j'ai dit ça fait 40 minutes que je suis là. Est-ce que tu peux jouer 2-3 morceaux des artistes burkinabés? C'est pas pour moi. Des artistes burkinabés. Il dit, il n'y a pas de souci, il va jouer. Une deuxième fois, je suis reparti le voir. Il dit, il n'a pas de son burkinabé. Okay. J'ai tout le temps mon disque avec des clés USB que j'ai des 100 sons burkinabés. J'ai enlevé un disque dur, lui donné. J'ai copié plus de 200 sons burkinabés pour lui. Et je lui ai donné 2 bières. Je suis allé m'asseoir, je lui ai dit, joue un peu de la musique burkinabé. 2 heures de temps, il joue pas la musique burkinabé. Je suis reparti lui dire, ah, moi je suis fou. Hein. Si tu joues pas la musique burkinabé, moi aussi je vais faire ce que je peux faire ici. Il dit, toi tu es qui? Vous les artistes burkinabés là, vous chantez même pas. Vous êtes nuls. Ah, gars, moi... n'a pas supporté. Alors... Et vraiment, le projeté du gars, oui. Quand il est venu... La lèvre, ça paye d'Amami. On est allé à la gendarmerie. Hein. Oui, justement, l'affaire est partie oui. À la gendarmerie. Et quand on est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un artiste gendarme qui... qui devait gérer la situation. qui devrait gérer la situation. L43. L43. Ah. Que nous saluons au passage. Il dit, Memphis, à faire ça là... c'est compliqué. Compliqué. Donc, en même temps, on a géré ça en famille. Ouais. J'ai dit, bon... Moi, je m'excuse. Hein. En tout cas, j'ai porté main sur lui. Je ne devrais pas. Ouais. Voilà, j'ai violé la loi. Je ne devrais pas vraiment le taper. Tout à fait. Voilà, c'est mais je m'excuse. Mais ah, lui aussi n'a qu'à changer. Alors, tu es donc, chez nous au Burkina. Et tu veux nous imposer. Et tu veux nous imposer d'autres musiques qui viennent d'ailleurs. Alors, quand même. Fils, donc tu es prêt à tout pour imposer la musique burkina. Oui, mais je ne ferai plus. Oui, je suis d'accord. On est d'accord je pour ça. Plus, hein. Tu feras ça, plus. Mais mes fils, tu penses qu'on doit forcer les gens à consommer la musique? Mais bien sûr. Est-ce qu'on ne doit pas consommer la musique burkinabé? Est-ce qu'on ne doit pas la consommer de façon délibérée? Ça doit être naturel. Mais pendant une dizaine d'années, 20 ans, on nous a colonisé avec d'autres musiques. On nous a forcé à écouter d'autres musiques. Et nous aussi, on va les forcer à écouter notre musique. C'est tout. Ils vont aimer finalement. Ils vont aimer. Et ils commencent à aimer. C'est ça. Actuellement, les gens aiment la musique burkinabé. Et surtout, il faut dire aussi que la plupart, dans les maquis, la plupart des DJ sont des DJ étrangers. C'est ça, c'est ça. Il y a peu de DJ burkinabé, 100% pur burkinabé. Voilà. Soit ils sont de nationalité burkinabé, ils sont nés ailleurs, grandis ailleurs. Ça veut dire que ce qui vient du Burkina ne les intéresse pas du tout. Non, ils ne connaissent même pas. Voilà. En réalité, ils ne connaissent pas. Donc, à nous aussi de former pas mal de DJ. Moi, j'ai parlé de ça au BBDA. On m'a dit que BBDA n'est pas là pour ça. Et c'est le ministère de la Culture qui devrait. Oui. Il faut faire des formations pour les didier, ouais. Pour les montrer la musique burkinabé. Qu'est-ce que c'est la musique burkinabé? Et l'importance d'en faire la promotion. Voilà, et faire la promotion. Alors, Memphis, voilà, le Warba, tu connais le Warba? Oui, très bien. Est-ce que tu connais vraiment le Warba? Je connais le Warba. Je connais le Warba très bien. Est-ce que tu fais du Warba dans... Je ne fais pas du Warba. Moi, je fais du mélange. Du mélange. Voilà. Je chante à mon ré, que je tire un peu du Warba, du Luwaga. Et je fais une couleur, je mélange avec la tendance. D'accord. Voilà. Pour essayer de sortir quelque chose qui est propre à toi. Voilà. Alors, on va t'inviter à regarder ce teaser, c'est Adèle Ramba. Yes, c'est une sortie pour bientôt. Yes, c'est du Warba. Et puis, tu regardes et puis on prend ton avis tout de suite. Ça maintenant. Avec la régie, si c'est bon, ça arrive. On va aller pour les teasers. Côté la régie, si c'est bon, on va y aller. Et si c'est pas bon, on va essayer de poursuivre. Donc. Alors, je suppose que ce n'est pas encore bon. Okay. D'accord, ce n'est pas encore bon. D'accord. Dans tous les cas, Memphis Bala, nous sommes en train d'arriver vers la fin de cet entretien avec toi. Et ton album sort en février. En février. C'est un album de combien de titres? Un album de 12 titres. 12 ça sort en février en même temps que le festival. D'accord. Le festival, c'est en février, du 23 au 27 février. D'accord. À Tampuy. Ok. Voilà, un festival vraiment qui valorise la culture burkinabé. C'est du 100% musique burkinabé. 100% musique burkinabé. Voilà. Est-ce que Memphis Bala va se produire en live ou en playback? En live. D'accord. Avec la sortie de l'album de 12 titres. Voilà. Live ou playback, Memphis Bala penche pour quoi exactement? Moi, je vais... la sortie de l'album, ça sera en live. Parce qu'il faut montrer les gens aussi que vraiment, la musique, c'est pas parce qu'on ne veut pas faire le live. Hein. C'est les moyens, surtout les moyens. Le live, ça demande beaucoup de moyens. Voilà.
comme c'est mon festival, je vais le faire en live pour que les gens sachent que Memphis aussi peut jouer en live. Voilà. Memphis Bala, pour être un bon animateur radio, quelles qualités sont requises? Pour être un bon animateur radio. Moi, déjà, quand je récupère le son, je les écoute d'abord chez moi. D'accord. Parce que pour être un bon animateur, tu dois savoir ce que tu vas mettre pour que les gens écoutent là. Tu dois savoir ce que l'artiste dit d'abord. Il ne faut pas aller prendre un morceau que tu vas mettre où l'artiste même insulte tes auditeurs. Exactement. Voilà, c'est ça d'abord. Il faut écouter les chansons, préparer ton émission chez toi. Arriver à la radio maintenant, tu sais ce que tu peux faire. Et si vraiment tu as préparé ton émission, je pense que tu peux pas dire des trucs. Et tu joues pour faire plaisir aux auditeurs, pour te faire plaisir? Non, aux auditeurs. D'accord. Moi, c'est les auditeurs. D'accord. C'est les auditeurs. Alors, Sandrine Colotte, pour finir. Oui, ce qu'il a dit est tellement important parce qu'il y a une tante qui nous a raconté qu'elle est allée à un mariage et le DJ apparemment ne comprend pas Djula, il ne comprend pas Bambana. Et pendant qu'on était en pleine ambiance, il a joué une chanson d'une artiste Mandé ou quoi, où on parlait à... Mariage, il vient, il joue une chanson, on dit Saya, qui parle de l'amour, Saya, Mou, Saya, Maï, Mou. Voilà, vous voyez, donc c'est vraiment important de savoir de quoi parle la chanson pour adapter la musique au contexte, sinon c'est très dangereux. Oui. Merci beaucoup pour cet apport, Memphis Bala. On va te demander un numéro de téléphone pour toute personne qui aimerait également te contacter en tant qu'artiste. Le numéro de téléphone, c'est le 71 97 37 94. C'est le numéro... 37 94, le numéro WhatsApp 71 97 37 94. Memphis Bala, est-ce que tu as un message de fin pour nous? Le message de fin, on a gagné le Tengaban. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Amen. Ouais. On va applaudir pour Memphis Bala. Allez, à très bientôt, gros. Les gars. Voilà, c'est un cadeau. D'accord, merci. Memphis Bala, on perd 10 000 francs, Memphis. On va l'applaudir très fort pour les accompagner. Merci. Alors, et ils sont avec nous. Je parlais tout à l'heure de nos amis. Alors, des forces de défense de sécurité du Burkina Faso. Le général Yad qui est avec nous. Il est le vice-président de la coordination, donc des artistes forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Acclamation pour l'accueillir, s'il vous plaît. Yad. Installez-vous. Bonjour. Général, respect, considération. Merci bien. Ça va bien? Ça va bien. Et le service? Ça va bien. Alors, j'aime bien te voir en tenue. Quand tu es en tenue comme ça, moi, ça m'inspire, quoi. D'accord. Je vais lui demander, qu'est-ce que ça vous fait d'être assis? Parce que très souvent, on vous voit debout. Est-ce que ça ne fait pas bizarre, finalement, quand vous êtes assis? Effectivement. Mais maintenant, on s'est dit que c'est votre décor aussi qui le demande. C'est ça. On veut respecter la tradition. Sinon, moi, je suis debout. Moi, j'aime pas m'asseoir. J'étais debout depuis longtemps. C'est ça, on l'avait remarqué. Voilà. Merci pour l'accueil. Merci pour. Alors, général, il y a coordination des artistes FDS. Voilà donc pour le grand rendez-vous. Ok, le grand rendez-vous, c'est le vendredi 17 décembre. D'accord. D'abord, puisqu'on a notre quatrième édition de la soirée FDS, qu'on a remodifiée vis-à-vis du contexte sécuritaire qu'on vit actuellement. Et nous-mêmes, nous sommes aussi au front. Voilà, beaucoup sont en mission. Et le président est présentement à l'ouest du pays. D'accord. Et il y a certains même qui sont aussi en mission. Okay. Donc, vu le contexte que nous traversons, nous sommes dit, au lieu de faire une soirée d'hommage où il y aura des artistes musiciens qui vont prester, cette année, nous avons décidé uniquement de faire deux points seulement. Ce vendredi 17 décembre, il y aura un cross populaire à partir de 6 heures devant Jean-Pierre Guingané, cross de soutien au FDS. D'accord. À 10 heures, nous allons faire une remise de vivres à des associations de femmes, voilà, des militaires tombés et aussi des autres collègues. D'accord. Voilà, représentés par l'action sociale militaire. D'accord. Voilà, c'est les deux points seulement. Alors, qu'est-ce que vous attendez donc du grand public? Nous attendons vraiment la solidarité, voilà, la tolérance surtout entre frères. Parce que, comme on le dit, on n'est pas là au nom d'une institution ce matin, mais au nom de l'association. Et on le dit, si vous n'éduquez pas par votre culture, forcément ceux qui font autrement les choses vont vous l'imposer. Voilà, ils vont vous imposer leur culture. Donc c'est pour cela, nous en tant qu'artistes au sein de nos forces de défense et de sécurité, nous veillons au grain à travers l'art aussi, comment peut-être passer le message à un frère qui n'est pas du corps. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter?
peut-être en renseignement, en information. Donc voilà pourquoi ce cadre s'est créé, et c'est le partage et la communion entre nous. D'accord. Voilà, donc nous invitons la population à mettre la main. À mettre la main, et surtout à sortir. Sortir vraiment pour le cross. Pour le cross. Voilà, soutenir les veuves et les orphelins. Qui va se dérouler vendredi. Devant Jean-Pierre Guingané. À 6h, je crois. 6h00. Nous avons démarré. À 10h, ce sera la remise. C'est la cérémonie de remise. On va courir d'où à où? C'est juste une dizaine de kilomètres, ça sera. Est-ce que vous pensez que les gens vont pouvoir... C'est juste. Bon, ça va pouvoir aller. Pour nous, c'est beaucoup, un 10 kilomètres. Bon, 10 kilomètres. Alors, est-ce que les élèves du centre de formation professionnelle, vous allez pouvoir participer au cross? Oui. C'est sûr. C'est juste. Est-ce que vous pouvez partir 10 kilomètres? Oui. On n'a pas dû lui faire des gâteaux au chocolat. On a dû de courir. Merci. D'accord. Bon. Alors, Général Iac, Okay. Alors, c'est vrai que c'est une très belle action Okay. Qui mérite d'être soutenue. C'est la raison pour laquelle on a accepté de vous recevoir sur notre plateau bien. Pour que le message puisse être véhiculé. Merci bien. Et puis inviter donc la population donc à sortir. Okay. De façon en tout cas massive, nombreuse, pour pouvoir donc vous soutenir et faire le cross avec vous et ensuite aller ensemble donc pour le don des vivres aux familles des FDS tombés sur les théâtres d'opération. Oui. Alors, est-ce qu'il y a-t-il des contributions que ces populations peuvent apporter d'une manière ou d'une autre? Effectivement, comme on le dit, on a toujours besoin de soutien. Mm-hmm. Voilà, peut-être certains peuvent avoir quelque chose à donner. Mm-hmm. En tout cas, il y aura un comité sur place qui va peut-être réceptionner. Peut-être qu'il y a des bonnes volontés qui nous suivent. Voilà, nous ne commandons pas. Mmh. Voilà, nous cotisons de nos propres poches. Voilà. Nous n'avons pas les moyens. Et souvent, quand nous sommes parrainés, et, par exemple, la RTB qui nous accueille, c'est déjà un soutien. Oui. Et merci aussi à Jackie Elfeno. Vous voyez que vous disiez que nous sommes en notre deuxième. Je pense que c'est la quatrième édition. Bon, moi, vous avez été à la première édition en 2018. Bon, vraiment, merci. Ouais. Franchement, il n'a rien pris avec nous. Nous avons souffert même pour lui donner de l'eau. Il dit qu'il ne veut pas. Ouais. Donc, c'est pour dire, c'est ce élan de patriotisme qu'on demande à tous les Burkinabés. Mmh. Et comme on dit, on parle pas au nom de nos institutions, il y a des cadres, en tout cas pour cela. Ouais. Mais nous parlons au nom de l'association, la coordination des artistes, des forces de défense et de sécurité. Donnons-nous la main, mais dans la main, nous allons pouvoir nous en sortir de ce que nous traversons actuellement. Ouais. Voilà, donc soutenons-nous. C'est ensemble que nous allons voilà, même si, en tout cas, c'est de l'eau, elle va nous apporter. Ouais, ça, c'est clair. Voilà, donc on a besoin de tout le monde. Merci c'est ce message qu'on veut passer. Ça, c'est très bien. Numéro de téléphone pour toute personne qui aurait besoin de plus. Numéro de téléphone, 76... 16 16, 79. On va reprendre le numéro. Numéro 76 16 79. Merci beaucoup, Général. Voilà. Vendredi 17 décembre, à 6h00, le départ pour le cross populaire de soutien au FDS. Et à 10h, cérémonie de remise de vivres aux femmes veuves de nos collègues tombés au front. Et nous saluons tous ceux qui sont actuellement au front. Que Dieu vous assiste et que Dieu vous protège. Amen. Que Dieu protège le Burkina Faso. Amen. Et merci aussi à vous pour l'accueil. Merci. Merci. Merci, Général. Donc, à bientôt. On se retrouve pour le cross et puis ensemble, main dans la main, pour l'élan de solidarité, en fait, soutenir nos forces de défense et de sécurité. Madame Ouedraogo Kadi, pour le repas communautaire au sein de la maison d'arrêt de collection, le 25 décembre, est avec nous. Acclamation pour l'accueillir. C'est la présidente de l'association Femmes et Prisons d'Afrique. Venez avec nous. Maman, bonjour. Installez-vous. Comment vous allez? Ça va. L'apéro est très, très, très content de vous recevoir. Maman est courte. Pourquoi vous n'avez pas mis ça là pour moi? Ah, mais d'accord. On ne savait pas que maman était courte. Vous avez maman courte. Voilà, voilà. Merci beaucoup, maman. Uh-huh. Mais dans tous les cas, ça va aller. J'espère que vous êtes à l'aise, maman. Bon, je ne sais pas. Hein. Ah. Faut que je m'asseye d'abord. Non, vous allez. Alors, ça va bien, la matinée? Oui, ça va, ça va. Madame Ouedraogo Kadi, alors bienvenue à l'apéro déjeuner. Vous êtes une femme, cœur humide, une femme qui est à l'écoute de son prochain. En témoigne tout ce que vous avez fait, en témoigne tous les témoignages que nous avons eus vous concernant, pour tout ce que vous faites pour votre prochain. Présidente donc de l'association Femmes et Prisons d'Afrique. Ouais. Alors, comment est née cette association? D'accord. Et quels sont ses objectifs? D'accord. Cette association est née à partir d'une expérience malheureuse. D'accord. En 2016, j'ai été arrêtée et déposée à la maison d'arrêt de correction de Ouaga pour refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer, c'est-à-dire, soyez plus clair. Ils ont dit que pour me faire déposer, le policier qui a tiré sur ma voiture, pour s'en sortir, a dit que j'ai marché sur son pied. Et donc, on a dit que j'ai tenté de le tuer. Vous avez roulé? Sur son pied. D'accord. Et donc, quand on est allé à la police, ils ont dit qu'il faut qu'on me dépose à la map. Maintenant, le jour du jugement, on lui demande un véhicule qui monte sur votre pied. Mm-hmm. Il n'y a rien. Il n'avait rien. D'accord. Donc, pour garder quelque chose quand même,
Ils ont dit que j'ai refusé d'obtempérer. Ils ont enlevé la tentative de meurtre et puis ils m'ont donné 6 mois pour le refus d'obtempérer. 6 mois ferme. Ferme. Et donc, je suis resté à la prison. Bon, comme je suis quelqu'un de... Je ne reste pas tranquille. La première semaine déjà, j'ai vu comment ça marchait, ça n'allait pas. J'ai essayé d'arranger pendant que j'étais en prison. Et quand on m'a libéré au bout de 2 mois, 10 jours, je suis sorti créer mon association pour pouvoir interagir au niveau de la Makou. C'est à ce sujet que j'ai pu aménager les cellules qui étaient dégueulasses, les toilettes, impossible. J'ai pu envoyer des médicaments, de la nourriture et faire de l'assistance judiciaire, plus des médicaments. Bon, voilà, bon, plus les médicaments. Et aujourd'hui, je suis là pourquoi? Parce que depuis 2017, j'envoyais la nourriture chaque semaine. Mais les gens sont fatigués parce que je venais chez mes amis et ainsi de suite. Et je me suis cantonné aujourd'hui à 4 activités dans l'année, c'est-à-dire que Noël et Tabaski, j'essaie de donner un bœuf. D'accord. Tandis que Ramadan et Pâques, je donne des cartons de poisson. Voilà, aux femmes. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la prison donne 1 repas par jour. Et quand je vous dis 1 repas, si on vous donne le repas, vous ne le mangerez pas en tant que tel, tant qu'il n'y a pas cet apport en légumes, ainsi de suite. Par exemple, je donne. Le jour où on dit on fait pâte d'arachide, ils donnent la pâte d'arachide, la purée de tomates, le sel, l'huile, le cube bouillon et le riz. On peut faire quoi avec ça? On peut préparer quoi avec ça? Donc, tant qu'il n'y a pas des gens qui apportent des condiments pour améliorer au moins la sauce, on ne peut rien manger. Et donc, c'est étant là-bas que j'ai eu l'idée d'envoyer des condiments, d'aménager les toilettes qui étaient très sales. Actuellement, j'ai même carrelé les salles, les cellules. Il me reste une seule cellule que je n'ai pas encore publiée. Je mets ça de côté. Alors, tout cela, vous le faites parce que vous avez touché du doigt la réalité de ces femmes et de ces jeunes filles qui se trouvent en ce moment à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Parce que quand moi j'y étais, je me suis rendu compte que je suis une privilégiée. On m'amenait mon repas chaque jour. Et le petit repas qu'on m'amenait, je prenais 3 cuillerées et le reste je donnais après entre 8 et 10 personnes pour manger. Parce que le repas communautaire n'était pas bon. Voilà. Elle ne pouvait pas manger. Mais est-ce qu'à ce jour, les conditions se sont améliorées? Exactement. Les conditions se sont véritablement améliorées. Quand vous allez au quartier des femmes, vraiment, c'est... Ne serait-ce que les toilettes. Vous savez que les femmes sont sensibles aux infections. Des toilettes turques, aujourd'hui, elles ont des toilettes à la française. Et vraiment, c'est carrelé au sol comme au mur. Voilà. Et avant, quand moi, je suis arrivé, c'était des poignants parmaça qui étaient dedans. Quoi, voilà. Donc, vous pouvez vous imaginer le degré de... Les moisissures, et ainsi de suite. Mais maintenant, ça va. D'accord. Voilà. Alors, madame, avant de vous recevoir pour 1h20 d'entretien, parce que vous reviendrez pour cette émission dans la rubrique donc Vie Maya Kanga, pour la semaine prochaine, nous allons vous contacter. D'accord. Mais en attendant, nous allons donc nous tabler sur l'événement qui va se tenir le 25 décembre du côté de la maison d'arrêt de correction. De quoi il s'agit exactement? Chaque année, j'essaie de contacter mes amis et je leur demande de m'aider à acheter un bœuf que je vais donner à la chose aux femmes en prison. Aux femmes en prison. Et ce bœuf, vous ne pouvez pas. En fait, on ne le prépare pas. Je l'amène découpé et tout. Et le Lions Club a acheté un congélateur vertical pour elles. Ça leur permet de conserver la viande. Et au lieu de manger que le jour de la fête, ça leur permet de manger, d'avoir un repas amélioré pendant 10 jours. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et donc. Ce bœuf-là, je lance un appel pour avoir les fonds pour l'acheter. Parce que aujourd'hui, ça fait près de 500 000 francs. Ouais. Ça, c'est sans compter la tomate, les oignons. Bon, on achète les légumes à côté. Donc, j'achète par sac pour aller leur donner. Afin que, pour cette période, elles aient quelque chose vraiment bon, qu'elles puissent manger. D'accord. Et comme vous savez qu'en prison, les femmes et les enfants, on essaie aussi d'envoyer de la bouillie pour les enfants, et ainsi de suite. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc, je viens aujourd'hui lancer un appel pour voir si on peut m'aider. Je ne demande pas des centaines de francs, mais même, je dis, s'il y a 100 personnes qui me donnent même 1000 francs, c'est combien? Ça peut faire beaucoup quelque chose. Oui, tout à fait. 1000 francs. Mais aujourd'hui, avec la situation nationale, c'est devenu difficile. Ce qu'il y a 5 ans, ça se faisait facilement. Aujourd'hui, avec la situation nationale... C'est encore plus compliqué. Voilà. Par exemple, rien que ce matin, j'ai reçu un appel où on me dit, bon, on a privilégié les enfants des FDS, voilà, ainsi de suite. Et c'est juste, c'est normal. Et donc, il faut trouver de l'argent pour les gens en prison. Pour aussi trouver
Parce qu'on trouve qu'être en prison, c'est un privilège qu'ils soient en prison. Alors que bon, être privé de sa liberté, ce n'est pas facile. C'est encore très difficile. C'est très difficile. Alors, tous ces fonds... Et ça peut arriver à tout le monde. Et ça, c'est clair. On le dit, on en a parlé la dernière fois avec Freeman Tapili, que vous connaissez certainement, qui organise un vent de liberté à la prison. Exactement. Maintenant, votre action, c'est à l'endroit seulement des pensionnaires de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou ou ce sont les maisons d'arrêt de correction du Burkina Faso? J'aurais voulu faire pour même, ne serait-ce que toute la Mako. Mais les moyens que je reçois ne me permettent pas de le faire pour toute la Mako. Parce que vous savez qu'à la Mako, il y a à peu près 2500 détenus. Ouais. Les femmes et les mineurs ne valent pas 100. Et donc, quand je gagne le bœuf, c'est uniquement pour les femmes et les mineurs. Ouais. Pour les hommes, je ne peux pas. Vous imaginez, si vous demandez qui va vous financer à hauteur de 10 à 20 bœufs pour donner aux gens de la Mako le jour de la fête. C'est pas et cette association, est-ce que vous avez du soutien? Oui, du soutien. Au début, j'ai eu une bourse suisse-canadienne. D'accord. J'ai été lauréate d'un prix Justice Makers et ça m'a permis de vraiment poser certaines actions qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. D'accord. Mais aujourd'hui, comme j'explique, c'est de plus en plus difficile. Voilà, à cause de la situation nationale. Dans tous les cas, le message, il est bien clair. Voilà. Tout le monde sait que ce que vous faites est une action très noble, c'est humanitaire. C'est parce que vous avez un cœur, vous avez de la sensibilité. Vous êtes une personne qui est touchée par les conditions de vie, précaires que les femmes donc, connaissent donc, du côté de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Et puis aujourd'hui, le 25 décembre, vous avez donc cet engagement, cette mission, donc c'est celle d'aller apporter de quoi manger à ces femmes là qui n'ont pas choisi forcément la position. Et en plus, il y en a même qui donnent vie à la Mako. Récemment, j'ai assisté donc à cela. On a vu un nouveau-né. Né, voilà. Donc, du coup, il y a de la vie. Il faut que les uns et les autres se donnent la main pour soutenir ces femmes-là. Et en tout cas, nous, à notre façon, on essaie de vous soutenir. On vous donne notre espace pour que le message puisse être passé. Parce qu'il y a des millions de personnes qui suivent cette émission. Alors que chacun essaie de voir ce qu'il peut faire, ce qu'il a la possibilité de faire, afin de permettre donc à Madame la Présidente de l'Association Femmes et Prisons d'Afrique d'honorer cet engagement vis-à-vis de ces femmes donc, du côté de la maison d'arrêt. De collection de Ouagadougou. Alors, vous avez un numéro de téléphone pour toute personne qui désire. Le numéro de l'association, le numéro Orange Monnaie de l'association, c'est le 64 57 52 11. D'accord. Voilà. 64 57 52 52 11. Voilà. Alors, nous espérons, nous croisons les doigts. Nous continuons à égrener les chapelets afin que des bonnes personnes, de belles âmes puissent également répondre à votre appel. Exactement. Parce que ça, c'est, ça mérite qu'en tout cas que vous soyez soutenus. Et merci de nous avoir fait confiance également. Mais je vous promets que vous allez revenir sur notre plateau parce qu'on a envie de parler avec vous. Il y a beaucoup de choses à tirer comme enseignement. Vous allez être reçu comme invité à cette émission pendant 1h20 et nous allons décortiquer, parcourir À la différence de Freeman, moi j'ai été en prison. Voilà. C'est ça. Je sais de quoi je parle. On va applaudir pour le courage et l'abnégation de cette dame. Merci d'être passé nous voir. Et puis, on va vous souhaiter une très belle journée. Merci. Et à bientôt. Voilà. Merci pour le choix de l'apéro déjeuner. On va applaudir très fort pour Madame Sylvie. Alors, enfin pour ce jour, Balili, il nous rejoint Bachono pour la journée de convivialité. Donc, des personnes âgées du centre-ouest. C'est pour le 17 et 18 décembre à Rio. On va l'applaudir pour l'accueillir. Mais d'abord, installez-vous. Bonjour. Monsieur Bachono, comment vous allez? Bonjour, je vais très bien. Ça va bien, installez-vous. Mais avant, on va donner la parole à notre ami Diko Fatoumata, qui est élève donc en cuisine pâtisserie au centre de formation professionnelle polyvalente. Alors, Diko, bonjour. Tu restes assise. Voilà, ton micro, il est ouvert. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, on est très heureux de vous recevoir ici. Parlez-nous en quelques mots de ce centre de formation. Alors, bonjour. Je me nomme Diko Fatoumata. Je fais la cuisine pâtisserie. D'accord. Alors, le centre de formation professionnelle et polyvalent, on fait, c'est une formation de 8 mois et 3 mois de stage. D'accord. Voilà. 8 mois, 3 mois de stage. Oui. Et le stage, vous le faites? C'est l'école qui vous, le centre qui vous positionne. Oui, oui. Ou mais ce sont les élèves qui doivent chercher là où ils vont déjà faire le stage. On se rassemble. D'accord. Nous avons des élèves, on a délégué. Je suis délégué de l'activité des questions de stage et d'employabilité. D'accord. Donc nous partons dans des entreprises où nous nous présentons et nous sollicitons aussi des stages. D'accord. Voilà. Okay. Et le centre aussi fait de son mieux. D'accord. Au sein du centre, quels sont les modules? Nous avons plus de trentaine de modules. Nous avons. On va citer quelques. Voilà. Oui.
On a auxiliaire en pharmacie. D'accord. Cuisine pâtisserie, la plomberie, et délégué médical, bien d'autres. Et bien d'autres. Mmh. Et vous, pourquoi vous avez choisi de faire la cuisine? J'ai choisi la cuisine, c'est parce que j'adore la cuisine. J'adore. Vous aimez préparer. Cuisiner, voilà. Vous aimez manger alors? Hein? Oui, vous aimez manger? Oui, oui. D'accord, mais est-ce que vous êtes une bonne cuisinière? Depuis que vous êtes allée au centre, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement dans votre façon de faire la cuisine? Bon, pour le moment, nous faisons un tronc commun. On n'a pas commencé à faire la formation en pratique. Tant que telle. Voilà. On n'a pas commencé la pratique. Mais j'essaie de rentrer sur Facebook, à côté, voilà. Facebook, TikTok, pour voir les recettes, et je fais ça à la maison. D'accord. À vous entendre parler, on peut se dire que vous êtes véritablement un cordon bleu. On a hâte de goûter. Elle a regardé, mais elle donne envie de manger parce que c'est... Non, de manger, c'est pas... Bon, d'accord, ok. De manger, c'est regarder. Parce qu'elle est agréable à regarder. Vous êtes d'accord avec moi que si donc, tu veux dire que pour cuisiner, il faut être agréable à regarder. Souvent, ça joue, hein. Souvent, ça joue, hein, de trouver quelqu'un qui est propre, qui est soigné. Mm-hmm. Parce que souvent, on va dans certains restaurants et on regarde la personne qui sert. On n'a pas envie de manger. Le service, mais pourtant, elle, quand tu la regardes, tu as tout de suite envie qu'elle te cuisine quelque chose, quoi. Elle est agréable à regarder. Et en plus, elle cuisine sainement. Parce que sinon, elle ne serait pas aussi belle. Voilà, elle cuisine équilibrée, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous mettez trop d'huile? Non. Est-ce que vous mettez trop de sel? Non. Ah, c'est comme il faut. Alors, le centre est situé où? Le centre est situé où? Le centre est au niveau de Kalgoundé, à 100 mètres de la brigade des sapeurs-pompiers. D'accord. Et juste à côté de l'alimentation Bon Samaritain. D'accord. Voilà. Okay. Alors, numéro de téléphone pour toute personne qui souhaite rejoindre le centre. On a le 54 94 69 69. On va reprendre le numéro. On va reprendre le 54, numéro. 94 89. Si le numéro n'est pas bon, quelqu'un peut corriger. D'accord. C'est ça? Alors. C'est le 74. D'accord. 74. On va donner le micro. Merci beaucoup, Dico. On va applaudir pour Dico, s'il vous plaît. Restez assis. Allez, donc, donnez le bon numéro, s'il vous plaît. Ok. Le numéro, c'est le 74 94 69 69. D'accord. Il y a le 58 aussi. Ok. 84, 84, 96. Merci beaucoup. On va vous applaudir et puis vous dire encore félicitations et vous rejoindre plus tard. On va donner le micro à notre ami Barry Boukari pour la jeunesse étudiantine et élève de Kamti. Kamti, alors président, bonjour. Rapidement, oui, bonjour. Oui, président, comment ça va? Oui, ça va bien. Kamti, c'est situé où? Kamti est situé dans le sud-ouest. Le sud-ouest? Oui, oui. D'accord. Précisément à 42 km de Gawa. Alors, vous êtes à Ouagadougou, mais vous êtes arrivé à rassembler les élèves étudiants qui sont originaires de Kamti. Oui. Au sein de cette association pour jeunes. D'accord. Alors, cette association est créée dans quel but? Cette association est créée dans le but de rassembler nos frères et sœurs qui se trouvent ici et au cours de choses. Pendant ces activités, ça nous permet de fraterniser, de partager aussi nos difficultés que nous avons afin de nous épauler, D'accord. Alors, vous êtes le président Kamboussier et Pafas. Oui, oui. Voilà, c'est comme ça le nom. Voilà, oui, c'est président ça, donc de cette jeunesse étudiantine et élève de Kamti. Alors, vous avez votre activité pour bientôt. Oui. Ce sont les 96 heures. Les 96 heures de la GSK. D'accord. Voilà, qui se déroule du 23 au 27 de ce mois. 23 décembre au 27 décembre. Voilà, avec thème orpaillage et transformation socio-économique dans la commune de Kamti. Orpaillage et transformation socio-économique dans la commune de Kamti. Oui, oui. D'accord. Alors, pour nous donner plus de détails sur le programme, on va donner la parole à Barry Boukari. Boukari, bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on aura au programme pour le 85? Merci à la team de l'apéro pour le micro. Chers auditeurs, téléspectateurs, recevez nos salutations les plus distinguées. On a reçu les civilités. Merci. On Alors, vous avez effectivement en face de vous la jeunesse étudiantine et scolaire de Kamti. D'accord. Kamti, comme il venait de le dire, c'est le plus grand département du Burkina, situé dans la province du Ponu, région du Sud-Ouest. D'accord. Alors, la GSK, dans la perspective, disons, de réunir la jeunesse autour... d'une entente, de promouvoir l'excellence dans les établissements scolaires de Kamti, de renforcer
promouvoir la cohésion sociale et la paix au sein de la communauté. D'accord. Ainsi que le développement socio-économique même de la commune. On met chaque année une semaine d'organisation d'activités socio-culturelles et sportives. D'accord. Pour parvenir à ces ambitions. On va aller directement au détail donc, pour alors, les activités qui vont se tenir donc, pour les 16 heures. Pour cette année, nous avons mis en place une activité dénommée 96 heures de la GSK. D'accord. Et au cours de ces 96 heures, qui se dérouleront bien sûr du 23 au 27 décembre 2021, à Kamti bien sûr, nous allons mener des activités telles que les compétitions Marcana, des jeux Marcana, les compétitions de tir à l'arc et des compétitions de danse traditionnelle, ainsi que plusieurs autres activités culturelles. Qui seront donc, Ne vous faites pas raconter. Oui. Et nous répondons sur le numéro de 75 96 74 05. Ça se passe à Kamti où exactement? Ça se passe à Kamti dans les places publiques. D'accord. Précisément dans le terrain départemental. Le terrain départemental. Oui. 23 au 27 décembre. Le 23 au 27 décembre. Il faut être là pour vivre absolument ces 96 heures de la GSK. On va vous applaudir encore plus fort. Est-ce qu'il y a un complément d'information? Il y a un dernier mot? Donc, je disais, ne vous faites pas raconter. Et pour plus d'amples informations, vous pouvez nous joindre au 75 D'accord. 96 74 05 ou encore au 72 50 99 23. Restez avec nous pour la suite. Monsieur Bachono Balili, bonjour. Comment ça va? Réo, ça va bien? Ça va très bien, Réo. La plus belle des provinces, la plus belle du Burkina Faso. La plus belle cité. Est-ce que vous avez eu le Tchapalo ce matin? Le Tchapalo à Réo, le matin, on goûte juste un peu. On goûte un peu. Juste un peu. Oui. Voilà. Pour réveiller l'essence et réveiller l'essence. Là, là, vous avez goûté. Effectivement. Non, d'accord. Mais ce matin, je me suis levé. Est-ce que Kulinama, on est gars? Kulinama, Kulinama, on est. D'accord, on va applaudir pour Kulinama. Alors, le Kulinama. Ouais. Hier, j'ai goûté le Kulinama. D'accord, ok, super. Convivialité des personnes âgées du centre ouest 17 et 18 décembre. C'est quoi exactement? Quelques mots, on va résumer. Ok, merci beaucoup. Permettez-moi d'abord, pour parler de la journée de convivialité des personnes âgées, il faut que je parle d'abord de l'association. C'est une activité de l'association. D'accord. Donc, c'est une activité de l'association PIA. L'association PIA qui a pour présidente Mme Missoni Cantino-Clarisse, qui aurait voulu être là avec nous ce matin, on ne pouvait qu'avoir une seule personne sur le plateau. Tout à fait. Voilà. L'association PIA, PIA, qu'est-ce que ça veut dire? PIA, c'est en lille, c'est chercher. 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 Pia Douiri. Pia Douiri. Pia. Pia. Cherchez. Voilà, Pia l'association. L'agent, c'est quoi en Gourousi? Ouere. En Ouere. Oui, oui. Pia Ouere. Non, voilà, ici, c'est pas Pia Ouere. Ok, d'accord. Donc je profite de son intervention pour dire Pia ici, là, la présidente, Mme Missoni, voudrait lancer un appel à toute personne sensible à la fragilité humaine, sensible à la vie que traversent les personnes âgées, à se joindre à elle pour chercher des chemins de vie, de joie, de bonheur pour ces personnes âgées du centre-ouest. Ça, c'est très bien pensé. Maintenant, et d'où est venue cette idée de personnes, de journée de convivialité des personnes âgées? Pour la petite histoire, la promotrice, qui est Mme Missoni Cantino-Clarisse, elle a été élevée par sa grand-mère. Ses parents étaient là, géniteur était là. Mais ses parents géniteurs étaient très occupés par les occupations au niveau des travaux champêtres, le jardinage. Donc la petite confiée à sa grand-mère. À sa grand-mère. D'accord. Sa grand-mère, elle a eu dit que pour elle, c'est une chance d'avoir vécu avec la grand-mère. Parce que la grand-mère était à ses soins. S'occupait d'elle. Oui. Les parents reviennent, la quittent le matin, ils reviennent la nuit, et c'est elle qui s'occupe d'elle, c'est elle qui sait si les enfants ont mangé ou pas. Voilà. Et avec la grand-mère qui n'avait rien, elle a inculqué à sa petite fille ses valeurs d'amour du prochain. Ses valeurs de partage, de solidarité. À son entourage. La grand-mère partageait tout. D'accord. Donc, la grand-mère n'est plus paix à son âme, que son âme repose en paix. Aujourd'hui, Mme Missoni, qui est autonome aujourd'hui, elle s'est dit à un moment donné, qu'est-ce que je fais pour honorer ma grand-mère? Qu'est-ce qu'on fait pour lui exprimer toute la reconnaissance? Toute la reconnaissance. Et c'est justement... Elle s'est dit, à travers ces personnes âgées, je peux rendre hommage à ma grand-mère. En créant donc ces journées de convivialité des personnes âgées. Et comme c'est une dame qui travaille au niveau social, elle a un centre Oasis, c'est le domaine social. D'accord. Elle rend visite aux personnes âgées à la maison. Elle voit comment parfois nous avons tendance à oublier ces personnes âgées à la maison. Et pourtant, ces personnes devaient être au cœur de nos préoccupations. C'est une richesse. Elle,
qui a été formé sur le plan éducatif, social et moral par sa grand-mère. Et même humain. Humain. Mm-hmm. Et tout, c'est une richesse. D'accord. Et ces personnes âgées, nous avons tendance à les oublier à la maison. Alors que c'est une richesse. Il est temps de les mettre au centre de nos préoccupations. C'est un trésor. C'est un trésor. Et ce sont des personnes ressources auprès desquelles nous pouvons aller donc régulièrement nous ressourcer. Exactement. Donc, journée convivialité personnes âgées du centre ouest, c'est pour les 17 et 18. Et comment ça se passe exactement? Très bien. Mm-hmm. C'est pour les 17 et 18 décembre 2021. Mm-hmm. Il y a le 17, la journée du 17, à partir de 14h. D'accord. Un échange culturel entre les jeunes scolaires comme eux, de la ville de Réau et les personnes âgées. D'accord. Sur le thème « Contribution des personnes âgées pour une lutte efficace contre les maux qui minent la société. » Ça, c'est bien dit. D'accord. Voilà. Donc, il y aura des échanges, par exemple, juste quelques exemples, sur les grossesses précoces en milieu scolaire. Oui. On va échanger avec les jeunes. Bien sûr, on va partager l'expérience avec les jeunes. D'accord. Les personnes âgées vont parler du mariage traditionnel. Comment ça se passait avant pour éviter ces genres de situations. D'accord. Il y a l'alcoolisme. D'accord. La consommation exagérée. Ça, ce sont les sous-thèmes qui seront abordés. Voilà. D'accord. Et les 18. Le 18, c'est la cérémonie officielle des dons aux personnes âgées. D'accord. Voilà, des dons aux personnes âgées. Mmh. Ici, toute personne qui peut appuyer l'association, nous aider, on fait des dons en vivre pour ces personnes âgées, à l'orée des fêtes. Pour leur donner le sourire. Oui, c'est important. Sourire. Voilà, on a besoin de cultiver cette joie de vivre en eux. Mmh. C'est important. Donc, ça, c'est une seule journée de l'année pour eux, ça fait du bien. Et ça mérite que ça soit célébré, 18 décembre, à Réo, exactement où? À l'Oasis, ou c'est où? Et à Réo, au secteur 5 de Réo. Secteur 5 de Réo. Secteur 5 de Réo. D'accord. Voilà. Alors, numéro de téléphone? Numéro de téléphone pour nous joindre. Mm-hmm. Je suis le président du comité d'organisation. D'accord. 70 07 35 99. 70 07 35 99. Monsieur Batou, toute personne qui veut soutenir ces personnes âgées peut appeler à ces numéros. On va lui donner toutes les informations. Vous êtes le président du comité d'organisation donc de ces journées de convivialité de personnes âgées du centre-ouest qui vont se dérouler du 17 au 18 décembre à Réau, au secteur 5 pour être plus précis. Toutes et tous mobilisés pour apporter notre soutien à ces personnes âgées qui sont des sources du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Alors que Dieu leur donne encore longue vie, que Dieu bénisse toutes ces personnes âgées depuis leurs différentes positions, pas seulement de Réau, mais du monde entier et en particulier du Burkina Faso. Merci. Oui. Merci beaucoup. Oui, Adèle, pour terminer. Pour terminer, cette association est la bienvenue. Hein. Elle a vraiment, vraiment, vraiment bien réfléchi parce qu'il y a pas mal de... Hey, hey.